revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Oui, hey, oh, 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 la mélodie, oh, comme le mentionnait, oh, Jim Morrison. Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est Jim Morrison qui disait ça, là. Pas n'importe qui, là. Qui? Jim Morrison. Oh! People are strange, I'm in a bed, in a new way, in a way. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot, le verbe. C'est un mot. Musée! Le mot qui? Musée! M-U-S-E, accent aigu, E. Oh! Comme dans le musée des orfèvres, exactement. Comme dans le musée de l'imaginaire. Et ça, là, ça, cet endroit, est approprié pour tout créateur, toute personne qui veut s'envoyer, comment s'envoyer en l'air? Oh, oh, oh! Je veux dire, par la pensée, par le titillement de l'esprit, par le tournoiement de l'imaginaire. Oh, ça, c'est un beau musée. On y trouve des mots, des photos, des images, des structures iconiques, presque des films. Comment ça, presque des films? Ben, des films aussi, ben oui, ça dépend. Là, si vous en avez plein d'imaginaire. Normalement, moi, là, j'ai 30 images par seconde. Oh, ouais, je suis bon pour la vidéo, oui. 24 images par seconde, je suis bon pour le 35 mm, oui. Et zéro image par seconde, ben, je suis bon à rien. C'est vrai, c'est très bon à rien. Ah, moi, là, je suis qu'un à rien. Oh, un à rien qui a rien. Ben, c'est bien. Au moins, vous le savez, ouais. On me l'a déjà dit assez souvent. Qui, ça? Ah, mais prédé qui? Cesseur. Oh, les cesseurs. Les cesseurs d'en haut, les cesseurs d'en bas. Puis, dans le milieu, là, on m'a chauffé. On m'a chauffé la moelle. Qu'est-ce que t'allais dire? On m'a chauffé le moignon. Oh! Moignon, mais prends pas ça comme ça. Non, un peu, oui. On me prenait pour un noyau. Oh, comme dans le centre de l'univers. Ben oui. Tu parles d'un noyau, oui. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, là, je me dis, ouais. Tu t'assèches? Oh, qu'est-ce que t'allais dire? J'essayais de trouver un mot avec sèche. J'allais dire, tu t'assèches. Oh mon Dieu. Tu t'assèches, le vieux. Oh. Tu manques d'eau. Oh. D'originalité. Ah oui, là, l'originalité, il faut en avoir, surtout quand tu es dans le monde de la création, le monde subtil et fin d'esprit qu'Errance Rinaldienne tente depuis des années d'amener ici, dans cette radio communautaire. Cette radio humaniste, cette radio ouverte à toute émancipation intellectuelle. Aïe, non, je fais la split. Regarde. Aïe, ça, c'est la belle split. Oui, mais comment on va faire pour se déslipper? Ben oui, slip, déslipper. Mais non, c'est pas slip. C'est banana split, déspliter. Comment je vais faire pour déspliter? Oh. Oh, on va sortir du musée, là. Ah, oh, je suis pas capable. Comment ça? Je t'ai écarté. Oh, oh, oh! Hey, on s'écarte souvent, hein? Et moi, je suis devant, là, Dali, Picasso, puis en arrière, là, Kubrick. Oh, mon! Le grand Kubrick. Fait que là, je me dis, à quel pôle? Il m'en reste juste un, là, pour faire les quatre pôles, là, nord, sud, est, ouest. Là, j'ai perdu le nord. Fait que là, je me suis dit peut-être que mon ami Félix Boisclair, oh, va me le rendre. La mer du nord, par vos galops. Ça, c'est Gilbert Bécaud. Ah, on l'a, là.
On l'a. Oui, monsieur, l'écho. L'oiseau est mort, vivre l'oiseau, il y a du vin pour l'an prochain et du bon pain. Alors chante, chante, chante. Je me suis étouffé. Ça, oh, les gens se sont même pas rendus compte de ça. T'es vert comme une olive. Si tu verres, l'olive est-elle verte? Faudrait regarder, il y a plusieurs sortes d'olives. Hein? Il y a d'olive Parton. Oh, monsieur. Hey, ça, c'est de l'olive. Oui, mais... Elle est farcie. Oh, oh! Quelle farce avec Kenny Rogers. Ah oui, ça, je ne sais pas si... Ah, oh, je ne sais pas. Ça, c'est des éco-vedettes. Là. C'est de l'intimité. On n'a rien à savoir de ça. C'est, ce qui nous intéresse, c'est l'artiste à l'état brut. C'est sa musique, ce que ces personnages-là ont à nous raconter et dans quel milieu ils veulent dévoiler leur musique. Oh, c'est... Ouais, c'est quelle sorte de musique? Ben, c'est country. Dolly Parton, country. Country rock. Country, country. C'est, hein, c'est... Bring. Quand le soleil des bons jours aux montagnes. Vas-y. CKRL, cultive tes goûts.